Et objectivement, après la période de préparation que j'ai fait dans un lycée qui était à l'époque un lycée pilote, qui a donné ensuite naissance aux sections artistiques, mais c'était le seul en France, c'est pour ça que mes parents m'avaient envoyé là-bas. Bon, j'avais 17 ans, hein, j'étais quand même pas très vieux. Moi, j'étais parti de Corse pour aller à Paris pour faire des études artistiques et avec une seule ambition et un seul objectif, c'est les Beaux-Arts à Paris, qui me semblait être l'unique lieu au monde où il fallait que j'aille, absolument. Et là, c'est une énorme déception. Parce que les patrons, puisqu'on les appelait comme ça, ne nous faisaient pas l'injure de nous apprendre quoi que ce soit. On était là, on arrivait aux Beaux-Arts à Paris, donc on était des artistes. Et eux-mêmes étaient des artistes, mais plutôt des considérés parce que, en fait, c'était des membres de l'Institut, des prix de Rome, et le monde de l'art, c'était plus ça, depuis longtemps. Ma mère, au bout de quelques mois, effectivement, décide de venir voir à Paris si c'était toujours vivant, ce que je faisais. Et je lui dis non, mais c'est pas du tout comme tu crois, c'est absolument nul. Et ça vaut pas le coup que je fasse des efforts pour m'intégrer à ce système-là qui est mauvais. Et elle en parle à un père dominicain qu'elle avait connu aussi au Juan de Corba, qui était un personnage très important dans le domaine de l'art contemporain, l'art sacré contemporain. Elle lui montre mes dessins, parce que par contre, je travaillais beaucoup, titre personnel. Et ce moine, donc, lui dit, il faut qu'il fasse de la gravure. J'arrive à l'atelier d'Heiter, à Montparnasse. En une semaine, alors où il s'est consacré totalement à moi, pendant une semaine, c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, toute une série d'expériences dont j'ai gardé justement les planches. Et c'est comme ça que, à la fois, j'ai appris et expérimenté ce métier. Je me suis passionné parce qu'il y avait là ce que je n'avais pas aux Beaux-Arts, il y avait quelque chose d'extrêmement factuel. C'était en quelque sorte le côté artisanal de la création qui, moi, me manquait beaucoup. Lui ne s'intéressait qu'à la technique. À l'époque, il me semblait que toute la période, justement, abstraction, cubisme était accomplie, qu'il n'y avait plus rien à faire dans ce domaine-là. Et il me semblait que le seul chemin qui était encore ouvert, c'était le surréalisme. Et donc, je me situais directement dans cette esthétique-là, qui était justement. Alors, il n'y a pas de canon établi. Qu'est-ce que Non, c'est bien qui est surréaliste et qu'est-ce que c'est qui ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est là que moi je me situais. À l'issue de cette année, effectivement, je suis arrivé au bout de mon sursis. Et je devais donc partir, comme tous les gens de ma génération, hein. génération, oui. Je devais donc partir en Algérie, mais à cette époque-là, les étudiants en général, et particulièrement les étudiants des Beaux-Arts, étaient extrêmement politisés. On manifestait beaucoup pour la paix en Algérie, Bien contre la sûr, guerre. bien sûr. Et donc ces manifestations m'avaient beaucoup formé, beaucoup endurci, mais m'avaient mis dans l'impossibilité de faire ce que je disais qu'il ne fallait plus faire. Donc, seule solution, c'était soit aller en Algérie, soit être insoumis, et là, politiquement, c'était un peu compliqué, soit bénéficier de 2 ans de sursis supplémentaires si je partais à l'étranger. Et je suis parti à Rome. La mort dans l'âme, parce que je trouvais que Paris c'était bien. La vie d'étudiant à Paris à cette époque-là, surtout étudiant aux Beaux-Arts, c'était vraiment un excellent moment et j'étais très 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 déçu de devoir le quitter, mais enfin bon, le choix était vite fait. Bon, il faut dire que arriver à Rome, en venant de Paris, c'était une sorte de passeport. Ah, Paris, j'ai à Paris, je sais, hein. C'est la capitale. Parce que Rome, c'était presque une ville de province. Non, Rome, c'est une ville parmi les autres, quoi.
Donc je vais à l'atelier de gravure avec mon statut de Parisien, tu vois, à l'atelier de gravure, et je dis, ah, il est bien l'atelier, est-ce que je peux faire un peu de gravure? Alors, on m'a dit, non, tu es inscrit en sculpture, tu ne peux pas faire... J'ai dit, alors il faut que tu laisses la sculpture pour faire la gravure. Je vais voir le professeur et je lui dis, est-ce que je peux faire de la gravure? Parce que j'ai appris la gravure chez Heiter. D'abord, que tu me regardais comme ça, puis dès que j'ai prononcé le nom Heiter, il m'a dit, ah, connais-tu la technique de Heiter? J'ai dit, ben, si, je connais sa technique, puisque justement, c'est... Tu peux m'apprendre? Parce que Heiter avait mis au point un procédé tout à fait particulier d'impression des gravures en plusieurs couleurs sur un seul passage. C'était l'innovation de l'époque. Donc, il me dit, tu viens à l'atelier quand tu veux, la seule chose, c'est qu'il faut que tu m'apprennes cette technique. Ah, je vais à l'atelier, je regarde, puis je dis, oui, mais il me manque ceci, ceci, ceci et cela. Il me dit, le compre, je l'achète. Et dans ce sens, ça a été un moment extrêmement fructueux, parce qu'en même temps, ça m'a fait esthétiquement complètement changer, ça m'a permis de perfectionner ma technique, et de changer complètement mon univers... un univers personnel en quelque sorte. Le contact est excellent parce que la ville elle-même d'abord. Hein, la ville est quand même une révélation, c'est vraiment, et cette proximité avec... avec l'histoire de l'art, somme toute, que je ne connaissais que dans les livres. Là, brusquement, on est dedans, et puis on est dedans dans l'épaisseur des siècles, quoi. Depuis l'Antiquité jusqu'à quasiment la période contemporaine, avec tout ce qu'il y a entre les deux. D'abord, la première chose qui m'a frappé, effectivement, c'est la stratification du temps visible à travers les choses. Par exemple, le théâtre marché, c'est le bas, c'est le reste d'un théâtre romain qui n'était même pas si important que ça, sur lequel, au Moyen-Âge et à la Renaissance, on a construit des habitations, et dans lesquelles des gens habitent encore aujourd'hui. Et donc, petit à petit, avec les époques, les styles changent, et j'arrive devant le théâtre Marcel, et suspendu aux fenêtres, il y avait du linge qui séchait, c'était des maillots de foot, avec les couleurs extrêmement pétantes et des gros numéros écrits comme ça. Et je me disais, c'est absolument incroyable de pouvoir lire comme ça d'un seul regard, quasiment 2000 ans, non pas d'histoire, parce que ça racontait simplement 2000 ans de vie. Tout à fait, oui. Qui s'enchaînent et qui se superposent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui a été pour moi très importante, c'est la Rome baroque. Pour moi, c'était une découverte et surtout, ça m'a rasséréné par rapport à mon propre patrimoine. Parce que, effectivement, ce que je voyais autour de moi, pour l'essentiel, je ne connaissais pas les églises romanes et pour cause, elles étaient toutes enfouies sous les ronces. Tout ce que je voyais, c'était des monuments qui étaient baroques, et le baroque, c'était rien. Parce que j'ai quand même fait un an d'histoire de l'art avec un très bon prof à Sèvres. Le baroque, c'était grosso modo une erreur de l'histoire. Et j'arrive à Rome, et brusquement, je comprends des tas de choses. Je comprends, par exemple, nos églises, je comprends nos tombeaux, je comprends nos portails de jardin, je comprends qu'en fait, il y a un univers culturel dans lequel je baignais sans le savoir. Donc, ce que m'a apporté Rome, ce sont ces deux choses. C'est-à-dire, le sens de la stratification, qui n'est pas nécessaire de faire table rase du passé, au contraire, il faut s'appuyer dessus, mais pour faire autre chose. Et la deuxième chose, effectivement, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise époque dans l'histoire de l'humanité, et il faut assumer le passé tel qu'il est. Cette réévaluation de l'histoire, pour moi, elle s'est faite à Rome.
À l'époque, il y avait au couvent de Corba des moines dominicains. C'était un foyer intellectuel très vivant et ils avaient donc inventé cette chose qui était des retraites, qui étaient en vérité des vacances pour les mères de famille. Ils recevaient ici des mères de famille avec leurs enfants jusqu'à l'âge de l'adolescence, parce qu'ils n'étaient quand même pas fous, et qui, sous prétexte de faire des retraites religieuses, en fait, enfin se reposaient. Elles n'avaient plus de ménage à faire, plus de cuisine à faire. Elles avaient des moments imposés, à telle heure la messe, à telle heure les vêpres, à telle heure les complis, etc., etc. Et les enfants, dans le parc, libres. Et moi, j'ai connu donc le couvent, donc la Balagne, à partir de l'âge de 8 ans. 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et je me suis, au début, évidemment, j'étais petit, j'ai resté enfermé dans le couvent. Petit à petit, commençais à sortir un peu, à me faire des copains par-ci, par-là. Et puis, du coup, j'ai eu l'impression que c'était mon village. On est venu s'installer ici. Et là, à ma grande surprise, ce que je faisais, moi, les gens me connaissaient. Pourquoi ? Ils me voyaient depuis 10 ou 15 ans. Je ne t'ai jamais posé la question, et moi jamais non plus, dans l'autre sens, si ce que je faisais, moi, leur plaisait. C'était des gens que je connaissais. Moi, dès que je suis... Nous sommes ici de manière beaucoup... Il nous semble, en tout cas... définitive, en tout cas permanente, et il s'établit une sorte de déséquilibre, parce que, par exemple, mes voisins, ils faisaient le jardin, de temps en temps, ils me donnaient des légumes, souvent même, et je trouvais que c'était délicieux, c'était très bon. Il y avait un autre voisin qui était berger, il faisait des fromages, je lui achetais deux fromages, bon, le fromage était bon. Un autre faisait de l'huile d'olive, il me disait, si tu veux, je te donne quelques litres d'huile d'olive. L'huile d'olive, oh, c'était bon. Tout ce que les gens faisaient, c'était bon. Moi, j'appréciais. Et ce que moi, je faisais, eux, ils disaient, bon, c'est ça que tu fais. Et tu arrives à les vendre. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas vivre dans un univers où l'équilibre, où le déséquilibre est si grand. Et je me suis mis à faire des choses pour que mes voisins les trouvent bien. Et je me suis dit qu'en fait, la seule solution pour que mes voisins apprécient mon travail, c'était que je les raconte. Et c'est comme ça que j'ai complètement basculé. Et en basculant, là, m'est revenu tous les souvenirs, justement, romains, et en particulier tous les souvenirs de ces récits absolument fantastiques de la mythologie, où on voit des hommes se transformer en animaux, des animaux se transformer en hommes, mais parce qu'en vérité, par exemple, les vieux bergers qui étaient là, encore à l'époque, ce monde-là existait encore, se superposait. Puis je les regardais, puis ils ressemblaient à des brebis. C'était impressionnant. Et en même temps, quand je regardais leurs brebis, je me disais, c'est incroyable comme ils ressemblent aux bergers. En fait, ils ont la même tronche, le même regard. Et les mêmes tics. Je me disais que la mythologie n'est pas une illusion, n'est même pas une invention, c'est une observation. Ouais. Vous avez trouvé cette espèce de fusion entre l'homme et l'animal. Absolument. Et même parfois entre l'homme et le végétal. Et enfin, cette fusion de la nature qui s'imprègne et qui nous imprègne et que nous imprégnons. Alors, effectivement, on voit bien les différences. On les connaît, elles sont affirmées, c'est-à-dire un centaure, un buste d'homme et un corps de cheval. Et c'est pas n'importe quoi, c'est pas un monstre. Mais la frontière, le passage, on ne sait pas où il est. C'est l'indéfinition de la frontière qui fait que le mélange peut se produire. Enfin, quand les limites sont dures, elles ne se pénètrent pas. Quand les limites sont souples, à ce moment-là, elles se fondent, et c'est ça ce qui est merveilleux dans la mythologie. Il me semble qu'on commet en général cette erreur qui est fondamentale et qui est tragique, de dire il y a la vie, puis après il y a la mort. Et plus rien. Oui, et puis, bon, ça s'arrête, quoi.
Et même si pour certains ça continue autre part, mais il y a quand même quelque chose qui s'arrête. Et en vérité, moi je n'ai pas du temps, si on peut dire, ou de l'existence plus exactement, qui contient aussi bien le temps que les choses, une vision linéaire. Moi, j'ai vraiment une sensation que le système est circulaire et non pas linéaire. C'est ça. Ce qui fait qu'il y a les naissances, il y a la mort. Il y a la renaissance. Et après la mort, il y a la naissance. Et puis après la naissance, il y a la mort. Et le système est cyclique. Mm-hmm. Et c'est un renouvellement permanent. Et je crois que justement, le corps féminin l'illustre à la perfection. Et quand il y a une femme et un tombeau, c'est pas la pauvre, elle est belle, mais elle va mourir. Pas du tout. Non. Elle est là pour amener la vie, assurer le déroulement du cycle. C'est ça. Et du coup, c'est évident que dans le déroulement du cycle, je ne dis pas que la tragédie est exclue, puisque forcément le moment de la mort, par nature, est essentiellement tragique. Mais ça n'empêche pas de manger des pastèques et de les apprécier. La manière de manger, je crois qu'on ne peut pas manger une pastèque proprement. C'est-à-dire, les Italiens disent « si mangia, si beve, si lava la faccia ».« Si mangia, si beve, si lava la faccia ». C'est ce qui... Voilà, c'est une espèce de... Il y a quelque chose de dionysiaque dans la pastèque. Je crois que mon amour, si on peut dire non accompli ou platonique pour la musique, moi j'essaye de le transcrire dans mon travail de plasticien, justement. Ne pouvant représenter des sons, je représente les instruments qui laissent supposer un son. Et en plus, j'adore dessiner des instruments de musique parce que ce sont de très beaux objets. Ce sont toujours des formes accomplies, justement. Et donc, c'est toujours agréable de tenter de retrouver le cheminement qui a conduit un violon à avoir la forme d'un violon, ou même une simple flûte. Donc, quel que soit l'instrument, il conjugue à la fois la fonction et une beauté formelle. On a l'habitude, la malheureuse habitude de considérer qu'il y a différents niveau de musique. Il y a la grande musique, qu'on appelle d'ailleurs la grande musique, puis les musiques populaires, hein, qu'elles sont de nature totalement différente, que ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas le même public, ce n'est même pas les mêmes instruments, etc. etc. Et puis, des choses qui... Alors, certaines époques sont catégoriques là-dessus. D'autres le sont beaucoup moins. Et parfois même de manière surprenante. Par exemple, Frescobaldi, l'organiste titulaire de Saint-Pierre de Rome, une de ses toccates, c'est Aria sulla Girolmetta. La Girolmetta, c'est une chanson populaire dont les paroles sont « Chi t'ha fatto queste scarpette che ti van si bene ?» Qui t'a fait ces jolies chaussures qui te vont si bien, qui était chante dans les rues de Rome. Il a pris ce thème, il en a fait une merveilleuse toccate qu'on joue encore aujourd'hui et que lui-même jouait à la basique. Donc il y avait entre le savant et le populaire, et le populaire et le savant, il y avait une osmose. Et moi, ce que j'ai aimé justement dans la musique, c'est quand j'ai découvert justement ce continuum entre les musiques populaires, que nous avons, nous. Nous n'avons pas eu Bach, nous n'avons pas eu Mozart, mais il faut se faire une raison. Par contre, effectivement, ces musiques que j'entendais, pas toujours portées par des bergers, mais me procuraient une véritable émotion esthétique. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui avait besoin d'être, en quelque sorte, réhabilité, et je ne pouvais le faire qu'à ma manière à moi. Thank you.
Alors, je n'ai jamais arrêté de faire de la gravure, sauf il y a des moments où j'en ai fait beaucoup, des moments où j'en ai fait moins. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça m'a permis de vivre, ce qui n'est pas rien, parce que c'est un multiple. Le prix d'une gravure n'a rien à voir avec le prix d'une peinture ou d'une sculpture. C'est donc très accessible. Je pouvais les vendre avec mes collègues artisans sur un champ de foire. Il y avait ici le potier, il y avait moi là à côté. Et personne ne trouvait que c'était particulièrement déplacé. Je disais, oui, bon, ben là, c'est de la gravure. C'est la dernière gravure que j'ai faite. Et alors, curieusement, à cause du numéro peut-être, parce que moi je suis sensible aux chiffres d'une manière absolument inexplicable. Je ne sais pas pourquoi, c'est ou 7, ou c'est 3, ou c'est 333. Enfin, c'était le numéro 333. Je me suis dit, est-ce que je m'arrête là? Est-ce que j'ai accompli mon œuvre gravée? Ou est-ce que je vais en faire d'autres? Et je n'ai pas encore la réponse à la question. Mais ceci est parfois une explication du fait qu'il y a des étapes dans ma pratique de gravure. Et là, j'ai l'impression que pour moi, c'est une étape. Et maintenant, il faut que soit je dise oui, c'est la dernière gravure que j'ai faite, soit je me dis ben non, c'était un moment dans mon histoire de graveur et je vais continuer. Mais je n'ai pas encore la réponse.